Alors, Bonita, tu es prête? Quand tu m'entends dire « Rapido, Bonita !» C'est l'heure du tour de magie. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer, blablabla, elle va disparaître dans une seconde, blabla, Rapido, Bonita! Tada! Mais où est passée notre chère Bonita? Haha! Si je répète la formule magique, peut-être... Chut! Bonita, ne fais pas de bruit! Sinon, tu vas dévoiler le tour de magie. Oh, on y était presque. Oh, ne t'inquiète pas, Bonita. On sera prête la semaine prochaine lors du spectacle du magicien de l'année. On essaie encore une fois? Bonjour Lila, comment ça va? Le spectacle de magie? Oui, bien sûr, on sera là pour te soutenir. Je suis si contente que ton tour soit prêt pour cette année. Oui, c'est parfait, j'en parle à Nicolas aussi. On se rejoint là-bas. Je croyais qu'elle voulait attendre le spectacle de l'année prochaine. Elle a dû bien s'entraîner avec Bonita, elle paraissait sûre d'elle. Peut-être qu'on pourrait lui apporter notre aide, au cas où. Mais comment? J'ai peut-être une idée. Merci d'être venus, les amis. Je suis très nerveuse. Ne t'inquiète pas, Lila, ça va être super. Nous sommes là pour toi. Oui, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi vous présenter le plus mignon de tous les animaux. Mon ami tout doux et magique, mon lapin Bonita. Pendant ce tour de magie, Bonita va disparaître quand nous aurons compté jusqu'à 3. Alors, cher public, comptons tous ensemble. 1, 2, 3. Rapido Bonita! Tada! Où est donc partie Bonita? Ha ha! Elle ne reviendra que si j'utilise ma formule magique. Est-ce que vous êtes prêts? Rapido Bonita! Hein? Bonita, où es-tu? Ah, la voilà! Bonita! Merci, merci beaucoup, merci à tous. Mais comment c'est possible? C'est pas vrai, j'ai multiplié Bonita. Désolée, Lila. Aucun d'eux n'est Bonita. Oh, Polly, Shani, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes vraiment désolés, Lila. On voulait juste t'aider au cas où Bonita ne réapparaîtrait pas. Tu nous avais dit que parfois Bonita réapparaissait au mauvais endroit. Et longtemps après que tu aies dit la formule, nous voulions t'aider à faire ton tour de magie. Les filles, je ne m'inquiète pas pour mon tour de magie raté, mais plutôt pour Bonita. Où est-elle allée? Je crois que Bonita a enfin réapparu. Eh bien, Bonita, je pense qu'il faudra encore plus s'entraîner avant notre prochain spectacle de magie. Ah, te voilà, Lila. Je t'ai cherché partout. Coucou, Polly. J'ai terminé ma nouvelle collection de chapeaux. Alors j'ai décidé de me détendre au bord de la piscine. Bonne idée. Tu viens avec moi dans la piscine? Merci, mais pas pour le moment. Tu veux venir sur les bouées? Je veux juste me reposer. C'est très relaxant de flotter dans la piscine. Amuse-toi bien. Ah. Bouh! Oh, Polly, tu m'as fait peur. Désolée. Si on allait sous la cascade, tu devrais te rafraîchir. Tu es allongée depuis des heures.
Je suis épuisée d'avoir travaillé si dur sur ma collection. Mais profites-en bien. D'accord, mais ce serait plus drôle si tu venais. Lila, tu ne vas pas pouvoir résister à ça. Viens profiter de ce superbe jacuzzi. C'est tentant, mais je suis si bien installée ici. Lila, je sais que tu as peur de nager, mais ne t'inquiète pas. Je suis là et je vais m'assurer qu'il ne t'arrive rien. Mais je n'ai pas nagé depuis si longtemps. Je ne sais pas si j'y arriverai encore. Je sais que c'est parfois effrayant de surmonter ses peurs. Mais allons-y progressivement. Une fois habitué, tu vas adorer ça. Je peux toujours compter sur toi, Polly. Alors, allons prendre un yaourt glacé et nous allonger sur les bouées. Comment te sens-tu? Un peu nerveuse. Mais ça passe beaucoup mieux avec ce yaourt glacé. Je crois que tu maîtrises la bouée. Maintenant, au tour du jacuzzi. J'avoue que je ne pensais pas trouver plus relaxant que la chaise longue. Mais ce jacuzzi, c'est le rêve. C'est vrai. Et je suis en train de m'endormir. Oh non, tu ne peux pas. On doit tester la piscine à vagues ensuite. Wouh! Oh Lila, je n'en peux plus. Ces vagues m'ont épuisée. Je vais aller me reposer au Tiki Bar. Tu m'accompagnes? Vas-y, je vais continuer à m'entraîner à nager. Ouh! La cascade est super rafraîchissante. Contente que ça te plaise. Wouhou! Oups, désolée Polly. On dirait bien que je n'ai plus peur de l'eau. C'était génial! Le meilleur film de tous les temps! Quand ils étaient dans le désert cosmique sans savoir quand la météorite allait frapper. Et quand Rocco a rapporté l'antidote de la planète Zeltor. Et sauvé l'humanité. J'aimerais tellement retourner le voir. C'est vraiment dommage qu'il ne reste plus de tickets pour les deux prochaines semaines. Coucou Nicolas, comment tu vas? Très bien, merci. Je déguste ce super hot dog. Vous avez... On vient de voir le nouveau film des filles de l'espace. C'était génial! C'est clair! Je l'ai vu l'autre jour! J'adore tous les effets spéciaux! Un jour, je pourrais réaliser un film comme ça pour mon vlog! Nicolas, j'ai une idée! Je sais comment revoir le film sans aller au cinéma! Comment? Approchez-vous et je vais tout vous expliquer! Oui! Rends-le-nous, ça appartient à la Terre. Ce sera parfait pour la scène du vaisseau spatial. Vous saviez que le film a été tourné en seulement 145 jours? Ce blog raconte plein d'anecdotes de tournage. Alors, comment vont les nouvelles filles de l'espace? Vous êtes prête à tourner notre film? Oui, plus que prête. J'ai trop hâte de le faire, on va tellement s'amuser. C'est parti! Ok, Capitaine Rocco, on va refaire cette scène. Tu as raison, je dois être plus convaincante. On la refait. Et... action! Polly, tu penses qu'il me faut une retouche de maquillage? Lila, tu es superbe! Bon, Lila,
replonge-toi dans le personnage. Tu es poursuivi par... Oui, oui, les aliens me pourchassent et la météorite va bientôt nous frapper. Je crois que j'ai saisi. Super! Et... action! C'était parfait, Polly! Je crois que nous avons toutes les scènes principales du film. Oui! Maintenant, je vais mettre plusieurs jours à faire le montage. Mais on peut se retrouver la semaine prochaine pour la grande première. Ah oui, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. 18h, samedi prochain, chez moi. Je serai là. Moi aussi. Bienvenue à la projection du film des filles de l'espace. Wouhou! J'ai tellement hâte. J'aime déjà la musique. Chut, le film a commencé, les filles. Ah, enfin! J'ai vraiment hâte de m'amuser ce week-end. On est à l'hôtel du château de sable paradisiaque, c'est super! Oui! Ici, on trouve les coquillages les plus rares du monde. Je vais pouvoir compléter ma collection de coquillages. Regardez ça, Polly, des jet skis. On fait la course. Avec plaisir. Super. Ça me laisse un peu de temps libre pour compléter ma collection de coquillages. Je ne sais pas trouver un trésor ici. La bague de la sirène se trouve dans le plus rare des coquillages. Qu'est-ce que ça veut dire? Shani, il faut que tu essaies le jet ski. C'est super amusant. Peut-être une autre fois. Je crois que je suis sur la piste d'une bague de sirène. Une bague? Quelle sorte de bague? J'adore les bagues. Je ne sais pas trop. Le parchemin parle d'une bague. Le parchemin? De quel parchemin tu parles? J'ai trouvé ce parchemin dans le coffre à trésors alors que je cherchais des coquillages sur la plage. C'est génial! Tu sais ce que ça veut dire, hein? On va faire une chasse au trésor! Wouhou! En fait, ce sera une chasse à la bague. Séparons-nous pour trouver le trésor plus vite. Oui, bonne idée. Shani, tu continues de chercher sur la plage? Oui, capitaine. Moi, je vais chercher dans le château. La bague est peut-être cachée dans une des chambres. Très bien. Moi, je vais chercher autour du bateau. Elle sera peut-être en dessous. Bonne chance, les filles. Rencontrer un gentil dauphin. Crois-tu que Lila aura trouvé quelque chose? Allons voir où elle en est. Ça va, Lila? Tu fais une bonne sieste? Ah, désolée, les filles. Je voulais juste me reposer un peu. Cette chasse à la bague m'a un peu fatiguée.
On pensait que tu serais plus chanceuse que nous et que tu aurais trouvé la bague. La seule bague que j'ai vue, c'était dans mes rêves. Et si la bague avait déjà été découverte? Cela expliquerait que nous ne l'ayons pas encore trouvée. C'est possible qu'elle ait déjà été trouvée. Le parchemin semblait être vraiment ancien. Vous avez peut-être raison. Elle a dû être découverte par un grand explorateur et dire que nous pensions être les premières à la trouver. Et ce n'est pas si grave. On a encore tout le week-end pour s'amuser ensemble. Et en plus, on est dans l'un des plus beaux hôtels du monde. Oui, bien dit, Polly. Et si on faisait un tour en jet ski? Parfait. Je vais me mettre en maillot de bain et je vous rejoins tout à l'heure à la plage. Où sont rangés nos vêtements dans cette chambre? Ils doivent être dans cette commode. Étrange. Waouh! Les filles, les filles! J'ai trouvé la bague! Lila, tu es géniale! Quelle